Et là ? Oula, attention, ça glisse, hein. Heureusement que t'as la lampe torche parce qu'on voit rien du tout. Encore une trace de pied. Tout ça, c'est peut-être là dans ça. L'homme à la marque de pied. Putain, j'ai eu trop peur. Oh mon dieu. Bonjour à tous. Salut. Bon bah, aujourd'hui, on va tenter de faire un urbex. Je pense que ça va être possible, hein, parce que regarde, la route est barrée. Ouais. Ça, c'est cool. C'est un urbex que j'ai déjà fait il y a quelques années. Et je voulais emmener mon frère, parce que c'est vraiment top. Et je vais vous faire découvrir aussi. Hein ? Ouais, donc voilà. Hop, allez. Putain, c'est encore plus barré que l'autre fois. Ah ouais ? Ouais, vas-y, vas-y. Au moins, on est sûr qu'il est encore abandonné. Oh là là. Ça doit être encore plus dégradé que l'autre fois. Tiens, vas-y, on va aller voir la piscine en premier, à droite. Oh, c'est tellement chaud. On se rafraîchir un petit peu, ouais. Ça fera du bien. Ah, énorme. Bah oui, forcément, ouais, bah oui. Ah, c'est trop stylé, j'adore. Oula, tombe pas. On y va ? Ouais. Ok. Ouais. Donc voilà, c'est un hôtel, je pense qu'il a été longtemps... Non, je sais même pas en fait s'il a... Non, il a pas dû servir en fait, c'est bah, vraiment... Non. Non, c'est même pas rénové là, il y a rien. Enfin... Ouais, tu vois, je pensais qu'il avait été rénové. Non. Quand j'étais venue. C'est ça qui est bizarre, c'est, tu sais, il y a pas... C'est marqué 3 étoiles sur le machin, mais il a jamais ouvert. Fin... Bah ouais, je sais pas trop. Mais tu vas voir, un moment, on est dans une pièce où il y aura des papiers qu'il y a de 2012. On va aller où ? Bah là-haut, on va aller voir les chambres. Yeah. Ouais, ouais, ouais. C'est le plus intéressant, mais c'est ce qui fait le plus peur aussi, parce qu'il y a eu des squats. J'avais pas ça avant. Non, j'avais pas vu. J'avais pas du tout vu ça à l'époque. Fais gaffe, Clément. T'as vu ? Ça fait plus de 10 ans que ça a abandonné et il faudrait pas que ça s'effondre. Mm. Ouais, t'as vu quoi ? Non, juste fait froid, c'est tout. Ouais, fais gaffe. Non, viens, on va pas par là-bas. Non, oh là là. Ça va le faire. Ouais. Bah, je sais pas. Peut-être des bureaux. Ils avaient peut-être prévu de faire des bureaux ici. Ça, j'en dirais un truc comme pour une douche. Ouais. Ou peut-être qu'ils comptaient faire un... des thermes ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Station balnéo. Des thermes ? Bah, je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi il y a ça. Je sais pas. Mystère. Ouch. C'est pas raisonnable de laisser ouvrir la fenêtre. Hein. Surtout. Non, mais attends. Avec ce temps. Ça se referme. T'as vu, il y a des sacs de ciment et tout. Donc là, la salle de torture. Voilà. On y vient tous les samedis après. Alors, c'est la salle de torture pour enfants. Ouais. Heureusement que t'as la lampe torche parce qu'on voit rien du tout. C'est clair. Ouh. Tu fais un petit plongeon ? Tu vas où ? Voilà. Putain, j'ai le vertige un peu quand même. Hein. Vas-y, viens. On passe par là-bas. Ah, tu vas vraiment m'emmener là-bas ? Ouais. Merci bien. Allez. Allez, allez, madame Lavoux. Oh mon dieu. Ah. En même temps, tombe là, tu fais mal. Bien. Ah. Oui. Oh putain, on peut pas passer par là ? On peut pas passer ? On peut pas passer ? Faut faire demi-tour. Demi-tour, madame Lavoux. Bon, bah c'est parti. Oh putain. Ah, tu vois, là j'aime pas là. Là j'aime pas là. Quand est-ce que t'es main ? Ouais. Bah, par là. Par là. Par là, par là. Voilà, ouais, j'ai le vertige depuis toujours et c'est... Même sur un tabouret, je... En fait, je crois que c'est mon centre de gravité qui est dysfonctionnel. Attention, pas dysfonctionnel. Ouais. C'est bon, merci. Ouais, je pense que c'est de l'isolation. Ouais. Bon, t'as plus trop bien isolé maintenant, mais... Ouais. C'est dingue, hein, de laisser un endroit comme ça. Bon alors, le verdict, ton premier rubex, t'es content ? Ouais. Oula, attention, ça glisse, hein. Trop bien. Sûr, tu veux pas que je passe devant ? Bah là ça va, y'a pas besoin de la lampe torche. Non, mais pour pas que tu te casses la gueule. Ah oui, oui aussi, oui. Donc voilà, ça glisse partout comme ça là, donc faut qu'on fasse gaffe. Tout neuf les fenêtres. C'est incroyable. Ça va peut être sympa, hein, t'imagines ? T'as une chambre avec vue sur la forêt comme ça, avec un chemin de randonnée derrière. Essayez de t'en renseigner pourquoi comme ça. Ouais, j'ai essayé, mais impossible de trouver. Y'a rien quand tu notes le nom de l'hôtel sur internet. Hein ? On a de quoi là ?
Accès au toit ? Ah la vache, ouais, on va pas y aller dessus mais... 12 seconds later. Oh là là, t'es un malade, allez viens. On va visiter le reste. Ah, ici c'était impressionnant, je trouvais les... tout le câblage comme ça en évidence. J'ai un deuxième scénar, sinon de pourquoi ça a été abandonné. Vas-y. En fait par terre c'est pas du plâtre, c'est de la coke. Du coup en fait tous les artisans ils ont détruit l'hôtel. Pareil c'était il y a deux semaines. T'as vu le reste blanc Clément. Regarde ça. Oh mais non sec. Regarde ça putain. C'est incroyable. Ah ouais, je l'ai passé en dessous mais... Tiens. Merci, merci bien. Première fois que j'ouvre une porte comme ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un ouvrir une porte comme ça. Ouais. Ah la vache. Elle est même pas encore posée. Putain, ils l'ont défoncée par contre. Oh, à l'époque, elle était pas cassée comme ça la cabine de douche. Ah ouais. Bah non. C'est quoi là? Oh mon dieu, il y a un trou. Il y a un trou. Mm. Oh la vache. Je sais pas. Le quelqu'un a mis la porte pour pas contente. Ouais, ils sont gentils les gens. Non, ils sont vraiment très gentils. C'est quoi Clément? C'est... Ah, ça c'est l'ascenseur, non? C'est... Comment? Ah, possible. Ouais, c'est ça, t'as raison, c'est l'ascenseur. Ah vous, t'as peur qu'il y ait quelqu'un derrière à chaque fois. Ah, ça m'étonnerait franchement. Ouais, non, l'hiver, je pense que c'est de ce côté. Moi, ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup. Ouais. Vu l'isolation, comment elle a se désirée. Regarde-moi ça. Et surtout, quand les gens laissent les fenêtres ouvertes, moi, ça me fait bien rire. Ah, oh, putain, on peut pas rentrer. Attends. Il faut pas être trop gros, hein. Personne n'est gros ici. Wow. C'est quoi? Ils ont fait des beaux tags là, dans cet hôtel. Ouais. Sur l'annonce de l'hôtel, ce que tu fais, c'est que tu mets isolation pas ouf, par contre décoration pas mal. C'est ça. Monsieur qui a souhaité mettre sa trace partout. Le mystère s'est baissé. On a encore un vestige de la fête. Je suis en train de bosser sur une troisième théorie. Ah. On verra. Je me dis, ça se trouve, c'est peut-être tout ça, c'est peut-être l'œuvre d'un seul homme. Un seul homme. L'homme à la marque de pied. Ouf, j'avoue. Du coup, on descend. On descend. On descend. Ouais. On montait là, hein. Non, pas. Je sais plus si j'ai monté, si je suis descendue tout à l'heure. Ah, je me rappelle pas. Je suis pas sûr qu'ils savent utiliser des toilettes, regarde. Oh la vache. Y'en a un qui galérait. Les papiers, ils s'arrêtent pas. Ça fait un moment qu'on a pas vu de traces de pied. Ouais. Ta théorie tient plus, je crois. Vraiment, ouais. Je commence à douter de la troisième théorie. Oula. Ah, oh la vache. Ok, très bien. Ok, je pense que... Ça continue. On est sur la bonne voie. Alors, c'est Scooby. Ah oui, c'est là, regarde, t'as vu ça avec le feu. Ouais. Moi, c'est la pièce qui m'a le plus marqué la dernière fois. Ça, vas-y, avance. Regarde. Oh la vache. Ouais. Une marque de pied, des paires de chaussures. On est peut-être dans son repère. J'avoue. Oula, encore des chaussures là. Il y a plein de chaussures partout. Ça se trouve, il y a une trace de pied dans toutes les pièces. Mais on n'a pas fait gaffe, tu sais. Ouais. Maintenant, je cherche que les traces de pied. C'est ça. Gentil, un douleur. Oh, ça y est, en bon état, lui, tiens. C'est quoi qui est en bon état? Un cadavre. Ah. Tombe bien, j'en cherche un. Allez. C'est pas un canapé, c'est un lit. Tu m'as dit un canapé. Un cadavre. Ah, t'as dit un canapé. Vous avez dit un canapé. Un canapé. Et moi, je te dis, j'en cherche un. Je me dis, mais c'est malade. Elle est malade. Une boîte de poussin. Elle est pas ouverte. Non. T'as bien ça, toi, non? Bah, c'est vrai, mais...
Tu veux qu'on la ramène pour ce soir? Bah faut pas attendre ce soir, on veut maintenant. Il y a les plaques, il y a tout, il y a des casseroles, il y a d'autres pièces. Bah voilà. Impec. Allez, vas-y, c'est bon. Tu cherches à la porte? Je ne cherche plus. Ouais, toujours, hein. Toujours les toilettes. Hein. Mm-hmm. T'as vu, tout est neuf. C'est ouf. Bouh, du beurre doux. Bouh. C'est le truc le plus scandaleux qu'on ait vu. Ah oui, je crois. Hein. Je suis d'accord. En même temps, regarde. Forcément que ça pue la mort. On a même pas vu en rentrant. J'avoue, j'avoue. Attends, on rentre dans la pièce et on voit même pas qu'il y a des traces rouges comme s'il y avait du sang partout. Non, ça doit pas. Non, regarde. Ça fait un peu peur quand même. Regarde, il y a une main. Ah, c'est plus un pied, c'est une main. Un deuxième suspect. Ouais. Il était peut-être de lèche. Je pense que ça va être dans le rendu final, ça. Oui, je pense. Je pense que c'est totalement fait exprès. Ils aiment bien la crème fraîche, hein. Donc peut-être les Normands. C'est la deuxième chaussure. Celle de tout à l'heure. Tu sais, je te propose qu'on les rassemble toutes. Ouais. Et qu'on découvre. On va déterminer le pied du global. La moyenne générale est de 43. Mmh. Il faut donc chercher une personne de pointure 43 avec des mains. Oh, ça va pas être facile. Ça hein. va pas être facile. Et qui aime la crème. D'accord. Ok, alors, rapport. Voilà. Et bon. Tu m'as vu comme ça. Ah, je suis devenu caméraman. Ah ! Putain ! J'ai eu trop peur ! Oh mon dieu ! Oh putain ! Attends, je me sens pas bien, c'est un faux, on est d'accord, ouais. C'est des gens qui ont... Ah putain, ils sont forts, hein. Oh les cons. Ça puerait à mort, hein, si c'est pas vrai. Ouais, mais t'as raison. Putain, j'ai eu vraiment trop peur, je te jure. Putain! Ils sont forts parce que j'ai eu vraiment très peur, Clément. Ouais. Oh. Oh, je crois que j'ai pas mort. Non, je te le jure, je crois que je vais pas mort. J'ai vraiment cru, hein. On ouvre ou pas? Vas-y. Jo. Oh, déception. Oh, déception, y'a rien. Il va falloir que je m'en remette. Vas-y. Attends, je referme la porte pour les prochains. Ah. Toi, t'es. Moi aussi, moi j'ai envie qu'ils aient peur. Attends, parce que filme bien, parce que sinon. Ah, bah, ah, j'ai envie qu'ils aient peur, moi. La bonne raison que j'ai peur et... C'est pas eux. Vas-y, attends, tiens. Ouais. Hop. Tu passes là. Ouais. Tu regardes quoi? En quoi c'est fait? En quoi c'est fait? Ouais, tu vois. C'est quoi? C'est mou. Je sais pas, mais c'est mou. Ouais, bon, c'est pas ça. Ça comme c'est... ça, tu vas mieux dormir? Oui, non, mais j'étais sûr que c'était pas un cadavre. Oui, non, mais je te le dis. Vas-y, rappuie pour voir. Ouais, ok. T'as, ils ont tout. C'est des bâtards. C'est des gros bâtards. Avec le sang. Enfin, le faux sang. On sait maintenant. Que c'est du faux sang. Que c'est du faux sang. Comme s'il était pendu, quoi. Ouais, pas mal. Hein. Je suis trop choquée, je te jure. Ah, bah, c'est ici la pièce où il y avait des documents qui dataient de 2012, justement. Mais là, tout est. Putain. Tout est en l'air. Hein. Il y avait. Ah regarde là, 2012, c'est bon. Là j'ai 2014 là. C'est dommage quand même que les gens cassent comme ça. Quand je suis venue il y a 2 ans, c'était pas du tout dans cet état là. Ouais. Non. C'était mieux. Bah ouais, enfin c'était mieux. C'était abandonné quand même, mais là c'est abusé quand même. Respectez les lieux quand vous allez faire des urbex, parce que pour ceux qui viennent après et tout, c'est dommage. Wow. C'est beau, on voit rien, c'est sur X. Attends, je leur fais. Voilà. On a laissé notre trace. C'est très beau. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde la date. Combien? 96. Ah bah voilà. Ouais, je te l'avais dit hein, que l'hôtel était vieux. Ok, et bah voilà. C'était pas trop mal. Ouais, c'était cool. On aura tout fait. Oui, on aura visité tout l'hôtel. Bon alors, verdict, t'aimes bien les urbex? Mmh. Ah ouais, c'est cool. Sympa, hein. Après, il y a plusieurs types d'urbex, tu sais. Il y a ceux comme ça, où c'est des bâtiments modernes, abandonnés. Ouais. Et d'autres où c'est des châteaux, tout ça. Ah bah oui, oui. Et puis, il y en a qui sont bien conservés, il y en a qui sont super dégradés. Ouais. Donc... Bah, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que c'est un peu les deux. Ouais, ouais. C'est,
c'est vraiment... Là, c'est quand même beaucoup dégradé, hein. En fait, mais c'est... Il y a des parties neuves. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dingue. Je crois que les gens vont voir que je suis alcoolique. Regarde, j'ai le nez tout rouge. Ah ouais. Mince. Bon, et ben voilà. On va aller faire une petite randonnée maintenant. Ouais, hein, ouais, c'est clair. Et puis, on dit au revoir. On demande aux gens de s'abonner. Ouais, bah abonnez-vous. De mettre la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Salut. Pour une nouvelle vidéo.